important puisqu'il s'agit de savoir quelle place nous allons faire aux personnes âgées dans notre société. On sait très bien que beaucoup d'entre elles, d'abord, apportent beaucoup à notre société. Je pense aux bénévoles dans les associations, aux formations qu'elles apportent aux jeunes, aussi aux liens sociaux qu'elles créent là où elles habitent. Et puis, à un moment donné, on peut se trouver isolé, avoir un problème de santé physique, puis de dépendance mentale, par exemple. Je crois qu'il faut que la société s'organise pour ne pas permettre l'isolement des personnes âgées, pour leur permettre d'avoir accès, bien sûr, à des soins médicaux lorsqu'elles en ont besoin, mais aussi d'être accompagnées.